Ouais, oui. Oui. Le matin, tu ne faisais vraiment rien. Ah, bon, ouais, voilà. Là, c'est une réunion ancestrale, ça. Hein. Ah, bah, c'est ça. Voilà, c'est toutes les racines, là. Hein. Ils ne comprennent rien, là. Hein? Non, ils sont trop jeunes. Hein. Ils sont trop jeunes. La quinine, c'est le seul médicament efficace pour lutter contre le paludisme. Et mon père a notamment comme mission, par le ministère de l'Agriculture en France, dans les années 27-28, en tant qu'ingénieur agronome, d'aller dans un territoire où les géologues à l'époque considèrent que ça sera peut-être un bon terroir, et est chargé donc de venir faire cette plantation. Et c'est comme cela qu'il atterrit en 1930 à Chang, qu'il vérifie bien sûr que tous ses paramètres sont bons et démarre la station expérimentale des quinquennats. Quinquina a tout. C'est une relation. Une boîte de confiture et du jus. Ça, c'est les premiers souvenirs. J'ai demandé d'où ça venait. Et on m'a dit que ça venait de chez Kaomasa. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 57, on se rend compte que c'est une usine qui fabrique des médicaments. Heureusement, dans les années 60, les grands scientifiques trouvent des molécules de synthèse. À l'époque, ça s'appelle la nivaquine ou la quinacrine, quelque chose comme ça, qui sont plus faciles à produire, plus rapidement, par centaines, que le cachet de quinine. Dans une région où le paludisme est une des pandémies les plus récurrentes et les plus mortelles, que l'on puisse négliger une structure qui produisait précisément des médicaments qui permettaient, sans qu'il y ait accoutumance, comme on crée aujourd'hui par rapport aux produits de synthèse, de la Nofel, pour que nous continuions à acheter des produits de synthèse qui maintenant changent tout le temps.